Concernant Bernard Landry, plusieurs ont dit que toute sa vie, il a été moins ambitieux que conscient d'être la personne la mieux apte à servir dans diverses circonstances qui se sont présentées à lui. L'allocution par laquelle Bernard Landry annonçait sa décision de quitter la tête de son parti en juin 2005, était d'ailleurs un modèle de discours désintéressé. Au lendemain de cette décision, prise malgré l'appui de plus des trois quarts des délégués au Congrès national de son parti, j'avais écrit dans un communiqué de presse de la société que n'importe quel chef de parti se serait contenté de moins que cela, compte tenu en plus des sondages qui avantagent présentement de beaucoup le parti de M. Landry, comme j'étais prêt. Mais M. Landry n'est pas entré en politique avec le rêve de gérer une province dans le pays des autres,
mais avec celui d'aider le peuple québécois à se donner un pays. Il a jugé, j'étais bête toujours cela, à ce moment-là, il a jugé que l'appui obtenu, amplement suffisant dans le premier cas, ne l'était pas dans le second. Monsieur Landry sert une cause, et je concluais, ceux qui l'accusaient de s'accrocher ont reçu hier un puissant démenti. Servir le pays, servir la société, telle a toujours été la préoccupation centrale de Bernard Landry. Pour la diversité des titres auxquels il a exercé ce service, bien peu de personnalités publiques dans toute l'histoire du Québec pourraient lui être comparées. Une conférence de presse ne peut pas être longue et j'éviterai donc de reprendre la liste presque interminable des fonctions que Bernard Landry a occupées depuis la première fois où j'ai entendu son nom. J'étais à ce moment-là étudiant à l'Université de Montréal et déjà il était le président de notre association générale, l'Association générale des étudiants à l'Université de Montréal. C'est non seulement quand même que Bernard Landry a été appelé à 22 reprises à occuper des fonctions ministérielles. Ministre des Finances, ministre de l'Économie, ministre des Communautés culturelles, ministre des Relations internationales, ainsi de suite, 22 titres de cet ordre. Et que ces autres fonctions, au gouvernement comme ailleurs, couvrent des domaines aussi divers que le droit, l'enseignement universitaire, sa deuxième passion, je pense, à la politique, l'animation d'émissions de télévision, l'action communautaire, l'action pour les droits de la personne, le syndicalisme, les affaires, l'armée même, la musique, et que ça j'en parle. La culture générale de Bernard Landry frappe d'ailleurs, comme son désir d'apprendre toujours plus. Peu de gens pourraient coller cet économiste en littérature, en musique, en histoire ou en géographie. Député défait en 1985, tout en s'affairant à reconstruire le mouvement indépendantiste et son rôle dans la constitution du Bloc québécois, a été aussi discret qu'énorme et décisif. Tout en faisant cela, Bernard Landry trouve le temps d'apprendre l'espagnol, au point d'aller enseigner dans cette langue dans une université mexicaine. Mais, comme disent les Japonais, on ne mesure pas un homme seulement au nombre de ses cheveux. Les épreuves sont montées comme encore plus que les succès. Caroline Lévesque, par exemple, a commencé sa carrière politique par une victoire à l'arraché, qu'il a été plus tard battu deux fois dans son propre comté, et qu'il a persisté malgré tout, cela compte pour beaucoup dans la fédération dont il est l'objet. Mais c'est ainsi que Bernard Landry a commencé sa carrière par deux défaites électorales, en 1970 et 1973, et qu'il en a subi une autre en 1985 dans le comté qu'il avait dignement représenté pendant 9 ans. Cela ne l'a pas empêché de revenir à la charge encore et encore. Je l'imagine bien dire à ses intimes au sujet de lui-même, « Plus que soit, n'est-ce pas du c'est-à-dire, il est ballotté par les flots, mais pas submergé pour autant. Ou encore, labor in probus omnia vincit. Le travail acharné vient à bout de tout. Le travail. Je me rappelle une jolie étape rencontrée tout à fait par hasard en 1974 et qui, loin de partager les convictions de Bernard Landry et les miennes, me disait quand même,
Mais j'ai bien peur qu'ils finissent par gagner celui-là, parce qu'ils travaillent. Ils travaillent. C'est effrayant comme ils travaillent tout le temps. Et derrière le travail, bien sûr, il y a la conviction. Celle, surtout, qu'il faut faire confiance aux Québécois en leur capacité de prendre leur place dans le monde. La conviction que Bernard Landry a défendue contre tant de faire et d'idées reçues lorsqu'il a fait la promotion du libre-échange au milieu des années 80, dans une campagne si désintéressée et si décisive. La conviction aussi qui est source de respect. J'ai vu ce respect chez les syndicalistes québécois, tout comme chez les financiers japonais qui l'entouraient lors de sa mission à Tokyo en 1996. J'étais à ses côtés à ce moment-là. D'autres l'ont constaté à Davos. Bien peu de dirigeants québécois disposent d'un réseau de relations internationales comparable à celui de Bernard Landry. Et ce n'est pas un hasard. La conviction, source de fidélité. Bernard Landry, après presque un demi-siècle de carrière publique, est resté fidèle à son idéal. Faire du Québec un pays. C'était aussi celui des patriotes de 1837-38. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter le patriote de l'année 2006-2007, M. Bernard Landry. Monsieur le Président, merci pour ces remarques en de dans un qui l'engage quelqu'un parle de soi. C'est très joli, bien sûr, d'apprendre de la route de Pandoline que la société francassiste faisait de moins le partenaire de l'année. Mais ma première pensée a été pour tous ces patriotes anonymes, et il y en a des centaines de milliers et des millions, qui travaillent dans l'ombre pour la patrie du Québec, qui militent pour notre indépendance nationale depuis des décennies, et dont le nom n'est jamais mentionné. Alors, c'est à eux de penser, il y a des patriotes plus visibles dans le parti, mais ils sont moins. Et ça doit dire que les uns sont plus importants que les autres. J'ai pensé aussi que je suis patriote de l'année, mais des années de ma vie, j'étais patriote sans être celui de l'année. En effet, dès que ma commission a été établie que le Québec devait accéder à l'indépendance nationale, je n'ai pas cessé de travailler pour que cet objectif soit atteint. Nous avons choisi, quand je dis nous, je parle de René Lévesque et des fondateurs du mouvement indépendantiste, la stricte voie démocratique, c'est-à-dire la conviction des citoyens et des citoyennes l'un après l'autre de voter en faveur de l'indépendance. Quand on choisit cette voie, elle peut être longue. Elle le fut, mais consolante à cause de la progression constante et de la force non démentie de cette idée centrale. Les définisseurs, j'en ai parlé de Marcel Chaput, il y en a eu quelques autres qui ont travaillé dans la marginalité à l'époque. Et je pense à Pierre Bourbeau, bien sûr, je pense à André Lallemand, je pense à André Pérez. Et moi-même, quand je suis dernier sur la liste, nous étions presque marginaux, j'avais 10-12% de nos compatriotes qui pensaient comme nous. Mais la progression fut exceptionnellement positive, déjà en 1980, 40%. En 1995, 50%, et quand on voit le manque d'éthique du gouvernement du Canada dans cette campagne, on pourrait dire peut-être plus. Alors, c'est la tendance qui compte. Et cette tendance ne me surprend pas. Parce que le patriotisme et la recherche de l'indépendance pour son pays
sont dans les idées les plus fortes que l'on puisse imaginer. Et une grande partie des êtres humains n'ont plus à faire ce qu'on voit. Les États-Unis d'Amérique indépendants depuis 1776, après la Deuxième Guerre mondiale, une dizaine de pays qui deviennent indépendants, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine de nouveaux habitants de la Nation-Unie, dont le Monténégro il y a quelques semaines, c'est une idée d'une puissance extrême. Et il est normal d'être patriote. Être patriote, c'est aimer son pays. Sans jamais, évidemment, détester celui des autres et ne pas estimer celui des autres. Mais il est normal pour un être humain de vouloir que son ancrage national et convivial soit le plus parfait possible, soit le plus avancé possible. Certains pays l'ont réussi de façon grandiose, d'autres cherchent encore à le faire, et des pays ne sont pas arrivés à leur niveau de développement. Mais les chances d'y arriver sont grandes quand les nationaux de ces pays aiment. J'ai enseigné au Mexique, tu l'as souligné, j'ai enseigné en Afrique. Et les jeunes Africains dans des pays extrêmement pauvres, qui suivaient mes enseignements économiques avec un brio exceptionnel, m'ont dit à la fin des cours, oui, mais regardez notre produit national, regardez notre problème, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai analysé sur le plan économique un certain nombre de principes et de choses à faire. Mais la principale chose que vous devez faire, et qui fera progresser le pays, c'est de l'aimer. Aimer votre pays. C'est vrai dans tous les continents et sous toutes les latitudes. Alors, être patriote, c'est une vertu civile. Et les patriotes auxquels nous nous référons, on a maintenant la Journée nationale des patriotes, nous ont fait, dans des circonstances beaucoup plus difficiles, un immense cadeau. Ils nous ont donné la démocratie. Et on nous fait par la violence, parce qu'avant la démocratie, hélas, c'est souvent l'anarchie, la violence et les confrontations. Ils nous ont donné une démocratie dont nous avons fait un usage maintenant exemplaire. La démocratie québécoise, à cause de ses normes, largement depuis la Révolution tranquille, Jean Lesage, Jean-René Lapalme, René Lévesque, est devenue une démocratie exemplaire au niveau de l'éthique, au niveau de la liberté de circulation d'information. Il faut maintenant qu'avec cette démocratie, nous allions au bout de notre destin national et aller vers la liberté. Les arguments de fond, de base, sont toujours les mêmes et d'une puissance externe. Les nations doivent être libres. Ils doivent être libres pour préserver leur identité, pour faire rayonner leur culture, pour participer au dialogue international et pour développer leur économie comptablement. L'indépendance nationale n'est pas une question d'économie. Mais consolider l'identité, faire rayonner la culture, avoir une économie florissante est évidemment un élément extrêmement positif. Et le Monténégro, qui a choisi l'indépendance il y a quelques mois, a un revenu national brut de 5 000 $ par tête environ. Le Québec, comparé aux 190 pays membres des Nations Unies, arrive à peu près au 15e rang de la richesse. Quand Jean Charest a dit que le Québec avait les moyens d'être indépendant, il a dit vrai d'une part, et s'il n'avait pas dit ça, il courait de gros risques, parce que plusieurs années, le revenu national du Québec est plus élevé par tête que celui de la France, où Jean Charest faisait sa déclaration. Alors ça, c'est vrai. C'est derrière nous. Le Québec a passé des années à dire on est capable, on est capable. C'est une évidence absolue. La question de la capacité du Québec à être indépendant ne se pose plus. De toute façon, ce n'est pas des considérations matérielles et matérialistes qui doivent primer. Alors, si on arrive au plan de l'identité, de la culture, de la fierté nationale, ben là, la démonstration est facile à faire. Le Québec forme une nation du seul, tout le monde le sait maintenant. Michel Ignace que c'est. Il y a même ici, il a ajouté un qualificatif qui est éthique aussi. C'est une nation civique.
C'est-à-dire que l'aventure québécoise n'est pas une aventure d'ethnie. C'est une aventure nationale. Et ça remonte au tout début de notre aventure collective, parce qu'on a beaucoup fraternisé avec les Amérindiens, comme vous savez. Dès le départ, on a créé des nations métisses. Et puis, après, sont venus les Anglais, les Écossais, les Irlandais, et puis, avec les Irlandais en particulier, pour des raisons de religion, il y a développé des mélanges extrêmement fructueux, puis après la Deuxième Guerre mondiale, sont venus des gens de la terre, c'est à Montréal que plus proportionnellement de survivants de l'Écosse sont venus s'établir. Et tous ces gens, y compris Macapoto, Émilien Barbeau et tous les autres, font partie de la nation québécoise. Et quand une nation prend conscience qu'elle est une nation, il n'y a pas d'autre issue que sa liberté. Comment expliquer à nos enfants et à nos petits-enfants que notre nation a le statut politique de l'île du Prince-Édouard, en tout respect pour cette île d'ailleurs, qui n'est pas une nation, qui est une composante respectable du Canada comme l'Ontario et les autres provinces. Alors d'abord et avant tout la dignité, et c'est ce qui a animé mon militantisme. Le rayonnement de l'identité et la préservation de la diversité culturelle. C'était vrai quand on parlait de la survivance canadienne-française de 60 ans, 75 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui à l'époque de la mondialisation. Moi, j'ai déjà quitté, comme président de l'Université de Montréal, des conférences où on ne parlait qu'en anglais, de notre façon de protester, on ne parlait pas avec le bout de la cuillère. Et quand j'ai vu Jacques Chirac faire la même chose il y a deux mois à Bruxelles, parce qu'un fonctionnaire français ne parlait pas en anglais dans une assemblée, j'ai bien vu que c'était devenu non pas un combat local, c'est un combat international de la préservation des cultures et des langues et de la diversité. Et enfin, je parle d'économie, puisque René Lévesque m'a condamné à l'économie, littéralement. C'est René Lévesque qui m'a envoyé à l'étranger étudier l'économie. C'est lui qui m'a nommé ministre d'État au développement économique en 1976, et comme Carpalizou d'ailleurs, qui est probablement des meilleurs économistes de l'histoire du Québec, nous avons contribué à consolider dans des opérations matérielles, des opérations immatérielles de dignité, de culture, de solidarité. Mais nous l'avons réussi aussi d'une façon grandiose. Le Québec est une économie aujourd'hui puissante, diversifiée, rien n'est jamais acquis. Il y a des nuages à l'horizon. Mais en 1960, quand j'étais étudiant à l'Université de Montréal, il y avait 6 fois moins d'étudiants que dans l'école de l'enseignement, pas l'université, l'école. Nous étions environ 5 000. Incluant Polytechnique, aux études commerciales, etc. Aujourd'hui, à l'Université de Montréal, seulement il y a 55 000, ou à peu près, dans l'école des sciences de gestion à l'UQAM, cette population est presque. C'est ça notre révolution intellectuelle qui a eu des effets matériels fabuleux. Parce qu'à la même époque, qu'est-ce que nous étions au plan d'exportation du commerce international, on vendait des blancs, des 2x4, des concentrés de cuivre, de fer, de zinc et des lingots d'aluminium. Et on vend encore de tout ça. Sauf que les premiers postes qu'exportait l'économie du Québec aujourd'hui, c'est moteur d'avion, avion complet, équipement électronique aéronautique, équipement et technologies d'information, multimédia, génie conseil, etc. Vous voyez, le matériel a rencontré les aspirations. Non matérielles. C'est ça l'aventure québécoise. La révolution tranquille, elle doit avoir un épilogue. Et son épilogue, c'est l'indépendance nationale. Et que je sois chef de parti, simple citoyen, plus chef de parti, simple citoyen, mon combat reste aussi intense. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu au plan des horaires, parce que les horaires commencent à ressembler à ce qu'ils étaient avant que je ne puisse terminer. En d'autres termes, je fais des apparitions politiques pour le Parti québécois, pour le Bloc québécois ou pour d'autres organisations régulièrement. Et j'ai l'intention de continuer à faire. Et ma foi et ma conviction sont d'aller tel que le Québec va accéder à l'indépendance et à une gamme normative
avant qu'il ne soit là. Alors, vous avez remarqué la présence à nos côtés ici de Mario Beaulieu, qui est le premier vice-président de la société. Je vais demander à Mario peut-être de nous prendre des cours de parole. Ça ne m'offusque pas trop dans la jeunesse par les journalistes qui sont peut-être pressés de partir faire leur partage. Et ensuite, sûrement les étudiants vont avoir des questions à poser à M. Gandhi, je suis sûr. D'abord, moi je pense que ça change pour vous, pour le premier chapitre. Parce que vous avez déjà plusieurs réalisations à votre tête. Qu'est-ce que ça change pour vous? J'ai l'impression que la société s'est assez formée, utilisée dans un certain nombre d'activités. Nous serviront à continuer à faire avec une intensité accrue la promotion de l'indépendance nationale. C'est essentiellement à cela que cette nomination peut servir. Ça va juste être une intensification, moi, parce que c'est des choses que je fais déjà. Je dirais, quelques fois par semaine, je participe à des activités du Parti québécois. Donc, moi, pour avoir un peu de détails sur ces participations des activités du Parti québécois, et, est-ce que vous, vous avez l'intention de faire campagne aux côtés de, je sais pas, du chef André Boisclair? Si elle... Certainement. Oui. Je fais un bon militant contre la campagne, elle fait campagne. Alors, c'est ce que je fais. Okay. J'ai servi tous mes chefs, depuis René Lévesque jusqu'à peut-être sur un nouveau sujet, bon, avec la tragédie de l'effondrement du viaduc, là, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la nomination de Pierre-Marc Johnson? J'ai une pensée nuancée qui est la suivante, et si vous la portez, j'avais la nuance aussi. Le choix de l'individu est inquiétant. Pierre-Marc Johnson est un homme compétent, intègre, sage, tout à fait capable de diriger cette commission. Cependant, les objections, quoi faire, du monde, sont très valables aussi. Parce qu'il aura à juger de 30 ans d'action gouvernementale, et même un peu plus, ce viaduc qui est construit en 70. Or, il a fait partie et dirigé des gouvernements durant cette période. Alors, ça, je pense que c'est une objection valable qu'on fait très bien en démocratie. Avec ce que j'ai dit avant, comme j'ai dit, ma pensée nuancée, c'est au gouvernement et à lui de décider. Je ne veux pas dire que sa nomination est une catastrophe. Je veux dire que le fait qu'il ait participé à des gouvernements la rend beaucoup moins parfaite. Puis vous avez parlé de faire jeter un regard sur les 30 ans d'action gouvernementale. Justement, vous. À l'époque où vous étiez au gouvernement du Parti québécois, est-ce que vous regrettez certaines décisions à la lumière de ce qui s'est passé? Non, franchement, non. D'abord, je ne connais pas les causes véritables de ce qui est arrivé. Je pense que tous les gouvernements du Québec ont fait leur possible dans des conditions qui ne sont pas simples. Pourquoi est-ce que ce n'est pas simple ici au Québec? Parce qu'on a un immense territoire, on est très peu nombreux pour le. Payer pour ce réseau. Et parce qu'on a les hivers avec des variations de température presque à nul autre pareil au monde. Je pense à quasiment plus 30 à 30. Alors, je ne pense pas qu'on doit avoir de culpabilité nationale, on doit avoir de la lucidité nationale. Et voir exactement ce qui est arrivé. Et la gestion de la crise, vous bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais ça a bien se passé. Même la circulation, semble-t-il, reste vivable. Et il y a eu la commisération, la compassion pour les victimes. Je me rejoins d'ailleurs à cette compassion, bien entendu, pour les familles des victimes, certains survivants qui retournent à l'école. Je trouve ça très important, j'ai vu ça dans les jours du matin, pour leur responsabilité. Non, globalement, bien vécu collectivement cette tragédie.
Mais est-ce que vous êtes inquiet quand même, parce que quand le président de l'Association des ingénieurs du gouvernement du Québec dit que ce viaduc-là était classé parmi ceux qui étaient jugés en bon état, donc imaginez ceux qui sont classés en mauvais état. Non, mais là, il faut attendre, je ne suis pas un bon technicien pour attendre. J'ai entendu des propos beaucoup plus réconfortants, moi, des agents que je sais beaucoup, Roger Nicolet. Qui, lui, était moins nerveux, si je puis dire, n'était pas négligent. Il ne disait pas que tout était parfait, mais il était moins angoissé. Version anglaise, hein? Of course, well, the point. Maybe in Spanish. My question is about great. Can we start with the choice of Pierre Marc Johnson? There's three people who have expressed concerns to Boisclair, to Jamal, and yourself now. And I wonder why you see it as a problem, because Lucien Bouchard is involved in certain different projects as well. And in this case, he's a former premier. But why is it, because he's a premier, does it make it different for him? Bouchard is not involved in any sort of inquiry. And Bouchard is not a judge in the action of the government. He is involved in the agricultural industry recently, but not as a judge or an inquirer. Doesn't have to decide one thing or the other. He's there as a negotiator or a conciliator, which is his fate and destiny, if I may say. In the case of Johnson, it's different. But I stress upon the fact that the choice of Johnson as a man is impeccable. Johnson is wise, competent, the high level of integrity. But since he has to judge 35 years of public administration, and he was member of some governments and leader and prime minister of one of them, I think the objections of what they are respectable. Should he resign? Mm-hmm. Do you think he should step aside as an officer? I have said what I have to say with nuances, and the rest is up to them. Deuxième question. You're speaking of Indépendance Nationale. And I remember when you were up in Quebec, it was No, it was always independence. And in fact, it's the same. Sovereign country is an independent country. France is independent and sovereign. It's a more juridical manner of saying a well-known phenomenon in a lot of people love using the word sovereignty was too facile at all. More technical, but I favor Quebec's independence, and independence is sovereignty. And the Michael Netier. Maybe the reason why sovereignty took over independence in many countries is due to the fact that economically speaking, every country has interdependence. France is independent politically, but is member of the European Union with free circulation of persons, goods, services, and capital. Oui, concernant la course. Monsieur Ignatieff, he likes use the word nation. Quebec is a civic nation. Is that good enough for you? A nation, it was very good, and adding civic is more interesting. And the local name, by the way, should think deeply about the fact that Quebec is a civic nation. That means everyone's member of the nation. Your land is restricted to the textile and garment industry. Est-ce que vous pensez que c'est M. Ignatieff qui devrait être choisi comme prochain chef du Parti libéral du Canada ou? Franchement, il ne peut pas vous prononcer là-dessus. Ça ne me passionne. Mais cette reconnaissance. En fait, que ce soit l'un ou l'autre, mon espérance profonde, autant pour Harper que pour Ignatieff ou un autre, soit les derniers hommes politiques non québécois
à avoir du pouvoir au Québec. En d'autres termes, ils soient les derniers à l'indépendance. D'autres questions? So you don't have any preferences among Mr. Ignatieff or Mr. Dion or Mr. Gray or Mr. Harper? If I were, I was trying to be negative and searching a way to have a preference, maybe I could succeed. But I have not done that job yet. So you have no choice between the three? No, no. Take four more. Yes. On va oui. Oui, est-ce qu'on peut lui poser la question? Oui, la jeunesse n'est pas exclue, au contraire. Donc, on est l'Alliance internationale. J'aimerais savoir votre position face au nouveau Parti du Québec solidaire qui progresse tranquillement dans les sondages, dans l'opinion populaire et qui pourrait en venir à diviser la gauche québécoise et la soutenir. J'ai l'impression qu'il progresse à l'air de fort plus que d'autres choses, dans les derniers sondages. Mais je crois que c'est un manque de discipline républicaine. Le Parti québécois est un parti progressiste, un parti social-démocrate. Et ce qui compte, y compris pour les gens de Québec solidaire, qui sont des souverainistes, d'un parti souverainiste Québec solidaire, c'est que la souveraineté se passe. Que par la suite, toutes les forces politiques se redéploient suivant les forces démocratiques du Québec dans ce temps-là. Alors, de ce point de vue-là, il me semble que Québec solidaire et les gens qui l'animent auraient pu faire un effort pour faire comme les députés syndicalistes qui ont rejoint dans un espèce de club politique le Parti québécois. Ça, c'est plus conforme à la discipline républicaine et aux objectifs qui s'en viennent. Je vais vous donner deux exemples dramatiques, mais. Il faut y penser quand on fonde un parti politique marginal. George Bush a été élu la première fois à cause d'un candidat marginal qui a eu plus de votes que la différence entre Bush et Gore. En France, on a eu un événement du même genre quand des gens bien intentionnés, il y a eu un facteur qui s'appelle Besançon de Bouche, Madame Larguier, M. Mamère et je sais quoi, sont mis ensemble pour que Jospin se rende pas au deuxième tour, vous souvenez ça. Heureusement, Québec solidaire n'est pas assez fort, n'est pas en montée, plutôt en descente, mais les gens, les progressistes sincères doivent penser à ce que vient de dire. L'union des forces progressistes pour faire l'indépendance au public, puis par la suite, on en redéploiera une nouvelle politique. J'avais une autre interrogation par rapport à ce que vous avez évoqué, le groupe de merde. Des propos comme ça, envers la nation québécoise, premièrement, vous, ça vous fait quoi? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose à faire pour, dans le reste du Canada pour redresser l'opinion qu'ils ont? Alors, j'aime mieux d'abord que ça. C'est cruel, mais j'aime mieux que ça donne une journée de la presse, du devoir et du soleil. Parce que c'est des propos, disons. Et il eût fallu que le Globe and Mail s'excuse parce qu'il a la prétention d'être le journal du Canada. Ce journal-là est distribué dans les ambassades, est distribué partout. Il représente dans le monde l'opinion du Canada. Alors c'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Et une faute vraiment méprisante et insultante qui aurait requis des excuses. Cela ne doit pas nous décourager d'expliquer au reste du Canada ce qu'est le Québec aujourd'hui. Et je lis plusieurs intellectuels au Canada qui le savent parfaitement et qui sont exemplaires dans leur analyse du Québec. Il y a aussi des anglophones du Québec qui sont exemplaires dans leur analyse et qui sont portés d'ailleurs à l'encontre de ce que le gouvernement. Pour voir ce que c'est cette société inclusive, cette société civique, qui est peut-être plus avancée que bien d'autres. Moi, j'ai eu l'occasion, à cause de mes différents métiers, de visiter la planète entière et des sociétés aussi ouvertes en matière d'accueil des immigrants, d'intégration, de respect des différences, d'amour des différences, et en revenant à l'égalité. Une petite dernière, je vous avais parlé de société ouverte, justement. Est-ce que
que vous avez idée d'où s'arrêtera l'ouverture des Québécois quand on pense, par exemple, qu'à l'UQAM récemment, un examen a été déplacé du vendredi au dimanche pour plaire à certaines religions quand on sait que nos institutions scolaires sont des institutions laïques? Oui, ça, je pense là, qu'il y a un examen en profondeur des choses à faire. Moi, quand j'étais à l'Université de Montréal, j'ai fait un dur combat pour que cette université devienne une université laïque. Le recteur était Mgr Yves Lébussier, un prédat domestique de l'Église catholique, et son adjoint était aussi un chanoine ou un prélat ou je ne sais pas quoi. L'université est une université pontificale. Nous nous sommes battus pour la laïcité, on n'est pas pour prendre le chemin de la régression. Alors, je suis en faveur des accommodements raisonnables, mais dans l'accommodement raisonnable, il y a le mot raison. Nous sommes tous et toutes des Québécois, des Québécoises, nous avons tous et toutes les mêmes droits. Pas plus et pas moins. Alors, il faut faire attention. Le communautarisme, là, ça fait du ravage dans bien des sociétés. Il faut avoir une mentalité plus républicaine. Puis cet accommodement-là, est-ce qu'il était raisonnable, selon vous? Ben, je n'ai pas étudié suffisamment le dossier pour le savoir. Mais dans l'affaire du Kirpan, je partageais l'avis de la Cour d'appel, des juges de la Cour d'appel du Québec et non pas de la Cour suprême. Alors, faut savoir, tout en étant très ouvert, il faut savoir où s'arrêter. Il y a des règles fondamentales qu'on ne doit pas transgresser, y compris la laïcité des maisons d'enseignement. Ce point de vue-là, les Américains sont plus avancés que nous. La Constitution américaine interdit que les écoles soient religieuses ou que les génies publics servent à subventionner des écoles où on met en lumière la religion. Alors, on va se mettre à régresser. Sir, could you clarify that and follow you on that religious aspect vis-à-vis the Kirkham? I share the advice and judgment of the Quebec Appeal Court and not the Supreme Court judgment, which is the law effectively today. I was more prone to share the views of Ma question pour M. Dorion. M. Dorion, pourquoi abandonner le titre de Landry cette année plutôt que les années précédentes? M. Landry avait déjà démontré que c'était un patriote. Bien, les années précédentes, l'an dernier, chaque année, on a, vous savez, il y a un certain nombre de candidatures possibles dans ce type de patriote d'année. L'an dernier, ça aurait peut-être été possible, effectivement, mais M. Landry sortait d'une situation qu'on pourrait presque appeler de crise au Parti québécois, là, les choses se sont passées. Les autres années, M. Landry était chef d'un parti politique, on ne nommera pas quelqu'un qui est chef d'un parti politique. Nous sommes une organisation indépendantiste, mais nous ne sommes pas une organisation partisane. M. Landry est un homme très libre. Son opinion politique et les allégeances partisanes sont bien connues, et ce n'est pas un chef d'un parti politique. Voilà, merci.